Bonsoir à tous et donc bienvenue pour la vidéo donc tant attendue suite au concours qui a été lancé donc il y a quelques mois donc sur la chaîne. Donc le concours a réuni quand même 13 participants. Donc ce concours avait pour but de faire la promotion du site internet et un peu de fêter son arrivée. Donc entre 300 et 400 visiteurs jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment quand même pas mal pour un tout petit site. Du moins je trouve que c'est un bon démarrage. Surtout que je suis pas vraiment connu non plus. Il n'y a pas vraiment d'articles aussi énormément, il y a beaucoup sur l'élevage et encore là c'est pas encore à jour suite aux naissances puisque le 13 août dernier j'ai eu une naissance, j'en ai eu une hier donc avant-hier maintenant le 15 août et vu que là nous sommes dans la nuit du 16 au 17 août, je peux même vous dire qu'hier donc le 16 en rentrant du travail, donc comme là on pouvait le voir je suis en tenue de travail, j'ai eu le droit à deux petites naissances qui sont donc ici et ici, donc je vous montrerai donc en fin de vidéo en bonus. Mais tout d'abord, donc revenons sur le concours. Donc le concours, déjà, j'aimerais remercier donc Tortue Mania, donc Nat, qui nous a offert donc les lots pour pouvoir faire ce concours. Donc il y avait donc en lot numéro 1, donc en lot principaux, de toute façon, il y avait une tortue en pierre comme celle-ci dans chaque lot et une petite tortue à ventouse comme ça, donc de différentes couleurs, donc jaune pour le premier lot, bleu pour le deuxième et rouge pour le troisième. Donc 13 participants, c'est quand même vraiment pas mal, surtout que le concours ne fonctionnait que sur YouTube. Donc j'aurais eu plus de participants je pense si j'avais ouvert ça à Twitter, Facebook ou à Instagram, mais le souci c'est que j'avais très peu de lots donc je voulais pas faire un énorme concours seulement pour qu'il y ait 4 gagnants et plein de déçus, donc je voulais qu'il y ait le moins de déçus possible, donc sur 13 participants seulement 4 gagnants c'est déjà pas mal. Donc avant de procéder au tirage au sort, donc j'aimerais revenir sur le site bien sûr en lui-même, donc un site que j'ai ouvert donc principalement pour essayer d'aider les gens, donc avec des articles qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc avec des articles, notamment un que j'ai fait récemment sur les terrariums pour les tortues, parce que c'est un débat vraiment énorme. Beaucoup disent qu'il ne faut pas de terrarium, d'autres qu'il en faut. Une tortue a besoin d'un terrarium, mais il y a diverses conditions. Donc je vous laisse aller voir sur le site, voir l'article et me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire de la vidéo. Donc voilà, donc il y a des petits articles comme ça, pas forcément pour chercher la petite bête, mais au moins pour pouvoir éclairer sur un sujet qu'on voit pas tout blanc ou tout noir. C'est comme le débat en terrariophilie des racks ou pas racks. Moi, on peut voir que j'ai les deux, j'ai Terra, j'ai Rack. Voilà, il y a des bons côtés chez l'un et chez l'autre, et des mauvais côtés chez l'un et chez l'autre. Après, il faut savoir trouver le juste milieu et trouver ce qu'on aime le plus. Voilà, donc c'est, il y a des petits débats des fois comme ça qui sont lancés que je peux essayer d'élucider en quelque sorte suivant mes connaissances. Mais d'autres petits textes, comment trouver sa tortue, voilà, peut-être les fiches de soins également. Donc, plein d'articles comme ça qui vont arriver. Un suivi complet de l'élevage, donc les tortues gecko léopard, pogona qui sont présents, donc adultes reproducteurs, une fiche sur les disponibilités des bébés à venir, même s'ils ne sont pas disponibles, une petite photo sera mise quand même afin que les personnes puissent suivre un peu s'il y a un gecko, admettons, puisque là je fais que des reproducteurs gecko cette année, si y a un gecko qui leur plaît, qu'ils puissent suivre un peu, voir s'il devient disponible à la vente ou pas. Donc voilà. Voir aussi également les parents, c'est quand même pas mal aussi, et puis demander pas mal d'infos aussi également complémentaires, ça peut servir à ça. Mais aussi, il y a aussi avant tout un petit truc qui me faisait plaisir via le site, donc une chose que j'avais pas forcément prévu à la base, mais quand j'ai créé le site, je l'ai vu, ça m'a plu. C'est le côté livre d'or. Alors le livre d'or, c'est par exemple si vous aimez mon site, vous pouvez mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir, vu le travail qu'on fait, que ce soit même sur la chaîne YouTube également ou sur les autres réseaux sociaux. Mais quand vous me croisez en Bourse Reptile, que vous me demandez conseils, ou également sur les autres réseaux sociaux, comme vous me demandez conseils, que j'y réponds et que les conseils vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Parce que bon, conseiller c'est bien, mais avoir un retour sur les conseils qu'on donne, par exemple si il y a une tortue qui est malade ou que j'ai fait un sauvetage d'une tortue et que vous l'avez récupérée derrière, avoir des nouvelles, savoir si tout a bien marché de ce que je vous ai donné comme conseil. Voilà, ça montre déjà que mes conseils peuvent marcher et qu'ils sont vraiment bons. Par contre, si je fais de la merde, il ne faut pas hésiter à le dire aussi. Hein. Voilà, c'est pas tout blanc forcément pour me faire une bonne pub. Hein. Si la pub est mauvaise, il ne faut pas hésiter à le dire. Moi, ça me permettra de réfléchir, de me réaxer et de voir ce qui a foiré. Et voilà, ça me permet de travailler sur moi-même également, ce que je fais maintenant depuis la mort de Lilo en 2012. Ce qui fait que j'ai pu créer tout ça par la suite. Voilà, c'est une façon de fonctionner que j'ai et que je garderai. Donc voilà. Donc voilà pour le petit point site et remerciements, tout ça. Je remercie quand même tous les participants qui ont désiré jouer le jeu du petit concours. Donc c'est vraiment sympa. Mais maintenant, bon, place au sujet qui fâche, donc le tirage au sort. Allez, on se retrouve tout de suite.
Nous voici donc pour la partie tirage au sort. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis équipé d'une petite boîte à grillons, tout simplement, on a énormément de budget, avec des petits post-it et les noms des participants marqués dessus. Et il y a les 13 papiers dedans. Donc là, on va secouer un petit peu quand même, hein, même si je le fais depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, alors après, il y a plusieurs façons de faire le tirage au sort. Donc, soit faire un tirage au sort, par exemple, démarrer par le lot 4, le lot 3, le lot 2, le lot 1. Moi, je trouve que toutes les personnes ont le droit quand même de jouer pour le lot 1. Donc, on va tirer d'abord le lot numéro 1. Voilà. Donc, je pose là sur ma jambe quand même, parce que j'ai pas de main. Donc là, c'est pour le lot numéro 1 que l'on joue. Et qui l'a gagné. Ça veut bien s'ouvrir, parce que ça, c'est l'inconvénient des post-it, j'aurais dû y penser. C'est Stop Motion Sulfix qui gagne donc le premier lot, donc la tortue en pierre avec la petite tortue ventouse de couleur jaune. Donc voilà, je vais mettre le papier à côté du lot. On mélange encore, bien sûr. Hop, le paplard numéro 2. Donc pour la tortue en pierre ainsi que la tortue ventouse bleue. Et elle est donc pour Celtic Reptile. Pat va être content. Hein. Il gagne un super cadeau Made in Tortue Mania. Et donc il gagne la tortue ventouse bleue ainsi que la tortue en pierre. Donc Celtic Reptile hein, que l'on connaît bien sûr sur YouTube avec toutes ses chaînes reptiles. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Donc je vais mettre son lien quand même de chaîne YouTube en description de la vidéo. Comme ça vous pourrez suivre un petit peu. Alors il fait pas que des tortues, il fait aussi des serpents, des lézards et tout. Il fait un peu de tout. Donc n'hésitez pas à jeter quand même un petit coup d'œil à sa chaîne. Donc ça c'était la petite parenthèse. Je tiens à rappeler quand même que je n'ai favorisé personne pendant les tirages au sort. C'est un tirage au sort qui est fait et qui est unique. Voilà, je n'ai pas d'autres personnes avec moi pour le faire. Il n'y a pas d'autres mains qui changent les papiers pour mettre que des noms. Voilà, c'est du 100% hasard et pur. Voilà. Hop, on en trouve un autre. Achintre Elisa, donc c'est écrit un peu vite, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à me relire, mais voilà. Elle gagne donc la tortue en pierre. Ainsi que la ventouse rouge bordeaux. Voilà, donc ça c'était le troisième lot. Le quatrième lot qui contient donc pas de tortue à ventouse, malheureusement je n'en ai pas plus hein. Donc on va voir qui va la gagner. Hop, le dernier papier. Et donc nous avons donc hop, Alex Met, si je prononce bien c'est ça, il y a un T et vous hein, bien sûr. Donc voilà, qui gagne la petite tortue en pierre. Donc voilà, tous les lots sont distribués. Hein, donc bien sûr, il me reste encore des papiers. Donc pour l'instant, plus de concours de prévu. Malheureusement, hein, j'ai pas forcément les sous pour. Qui sait plus tard, hein, je sais pas si mes partenaires décideront de faire un petit geste ou pas. Voilà, ce sera la surprise. Tous les gagnants donc peuvent m'envoyer quand même un petit message, alors que ce soit soit par Facebook, ma page que j'ai récupérée, soit par Instagram, soit par tout simplement Twitter également en message privé, ou par mail hein, tout simplement sur lilotortue@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail avec votre nom, votre adresse, pour que je puisse vous envoyer tout simplement le colis, et le colis arrivera chez vous au plus vite. Voilà, donc alors je vous donnerai quand même les possibilités d'envoi, que ce soit la poste ou point relais, voilà, ce sera à votre choix, hein, si vous le préférez chez vous ou pas. Donc voilà, donc ça c'était pour le tirage au sort, donc j'espère que participer vous avez fait plaisir, voir cette vidéo vous a fait plaisir. Je pense que voir ma tronche ne fait pas forcément plaisir, surtout à cette heure-ci, parce qu'à savoir que je tourne la vidéo, il est quand même 2h du matin et je suis rentré du boulot. Donc le mieux, je pense, c'est que les gagnants me contactent par mail, ça sera plus simple pour me donner leur adresse, pour que je leur envoie leur lot. Et pour faire plus simple, je crois que je vais vous laisser avec en bonus les deux petits nouveau-nés. Allez, c'est parti.